Je suis Diana Garcia-Bernet, ingénieure de recherche au laboratoire des biotechnologies de l'environnement INRA de Narbonne. Ça a été une volonté du Grand Narbonne d'intégrer ici dans ce parc les acteurs, les principaux acteurs de l'environnement à Narbonne et dans la région. Nous avons développé une plateforme technologique qui nous permet d'avoir une offre qui couvre en fait tout le processus d'innovation, c'est-à-dire de la recherche fondamentale en passant par les études pilotes et qui nous permet donc d'aller jusqu'à la commercialisation et donc la création de start-up. Et c'est le cas de la société BioNTech qui est maintenant installée dans la pépinière. On leur propose des prestations à travers INRA Transfert Environnement, qui est en fait une business unit d'INRA Transfert. Et cela donc nous permet de travailler en même temps sur la recherche et sur de la prestation de services. C'est vrai que le cadre, c'est important. Donc ici, nous savons évidemment en plus du climat, qui est quand même pas mal. La mer qui est pas loin, j'ai des collègues qui font de la planche à voile. Que ce soit au niveau français ou européen, on a de plus en plus du mal pour trouver des financements. Et donc le fait de travailler avec un partenaire de la recherche reconnu dans son domaine comme le LBE, ça donne la possibilité donc aux start-up, aux PME, mais aussi aux industries, aux grands groupes, donc d'avoir des financements, par exemple, de pouvoir être aidés du fait qu'on fait de la recherche collaborative.